Le président élu des États-Unis, Donald Trump, s'est montré très ferme sur plusieurs dossiers clés de son agenda conservateur, comme l'immigration, tout en essayant d'apaiser les craintes suscitées par son élection dans de larges pans de la société américaine lors de longs entretiens télévisés. Je vais bien me conduire, mais ça dépend de la situation. Parfois, il faut être plus dur. Quand je vois le monde et comment de nombreux pays profitent de notre pays, je le dis fièrement, les États-Unis vont passer en premier. Ça ne sera plus pareil. On était en train de perdre ce pays. C'est pourquoi j'ai gagné ces élections. Et par ailleurs, j'ai gagné haut la main. Au cours de cet entretien, dont des extraits ont été distillés tout au long du week-end, Donald Trump est resté inflexible sur son intention d'expulser jusqu'à 3 millions de clandestins. L'annonce a provoqué un couac avec la majorité républicaine. Ce sur quoi je voulais vraiment me concentrer, c'est le Moyen-Orient, la Corée du Nord et Obamacare. C'est difficile. Vous savez, la santé est dans une situation difficile en ce moment. Eh bien, il ne m'a pas demandé de ne pas la supprimer, non. Il m'a parlé des qualités et des difficultés. Avec sa première nomination, Trump veut clairement donner des assurances au Parti républicain. Le président élu a confié le poste clé de directeur de cabinet à Reince Priebus, le président du Comité national républicain. Bannon, au profil beaucoup plus radical, sera le stratège en chef de Donald Trump. L'Union européenne multiplie les signaux en direction de la nouvelle administration américaine. Après l'invitation lancée par le président du Parlement et celui de la Commission, les ministres des Affaires étrangères sous la houlette de la chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, ont insisté sur leurs espoirs d'établir de bonnes relations avec la future administration de Donald Trump dimanche soir à Bruxelles. Nous avons hâte d'établir de solides liens avec l'administration à venir dès la première semaine de transition. Bien sûr, nous allons continuer à travailler nuit et jour avec l'administration actuelle, mais tout en préparant le terrain pour le changement d'administration en janvier. Absent à Bruxelles, la France et la Grande-Bretagne appellent au renforcement d'une autonomie stratégique européenne en matière de défense et de politique industrielle. Une question prévue au menu des discussions entre les 28 lundi. Depuis la déclaration du candidat Donald Trump menaçant de retirer son pays de l'OTAN, la fébrilité gagne les Européens. Des Européens fortement divisés entre une défense autonome et le maintien de l'allié américain au sein de l'OTAN. Marqué, fouetté et attaché. Entre le 15e et le 18e siècle, des centaines de milliers d'Africains ont été envoyés en Amérique depuis la Guinée-Bissau. Un mémorial de l'esclavage ouvre ses portes dans la ville de Cachéou, autrefois l'un des centres névralgiques de la traite négrière. Il se pratiquait ici un commerce de produits locaux et autres. Mais comment cet échange se faisait? Il s'y pratiquait en fait des échanges directs de produits locaux contre des hommes et de produits européens contre des hommes. Plusieurs traces témoignent de cela. Ces hommes partaient vers les Amériques très affaiblis. Cette casserole commune servait à nourrir tous les esclaves. Cette marmite était trop petite, alors chacun prenait une petite part. Les recettes étaient basiques et rapides parce qu'il fallait vite retourner travailler. D'autres lieux symboles de l'esclavage sont aujourd'hui ouverts aux touristes. L'île sénégalaise de Gorée est régulièrement visitée par des chefs d'État comme le président américain Barack Obama en 2013. Et la Guinée-Bissau, l'un des pays les plus pauvres du monde, veut aussi sa part des recettes touristiques. L'idée du musée est née en 2010 lorsque des descendants d'esclaves identifiés grâce à leur ADN ont fait le voyage jusqu'à Cachéou depuis le Brésil et les Antilles. Quand ils sont venus, ils ont commencé à raconter l'histoire. Beaucoup de gens ont pleuré ce jour-là et d'autres se sont dit que peut-être celui-là est mon parent. Et après, on a organisé la danse et même moi, j'ai dansé ce jour-là. En Guinée-Bissau, l'histoire de l'esclavage n'est toujours pas enseignée à l'école. À Cachéou, on espère que les touristes viendront découvrir, grâce au musée, le passé colonial traumatisant du pays.